Salut à tous les amis. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais. Là, on n'avait pas prévu du tout de faire une vidéo. J'ai failli pas prendre la caméra. Mais il vient de se passer un truc encore une fois ouais, de dingue. Vrai. Parce que là, on est en train de déménager la cave. Ouais, c'est ça. Donc on est en train Voilà, il y a plein de sacs partout. Faire plein de cartons, etc. Oui. Et il faut savoir qu'on est dans notre maison de campagne. Ouais. Elle est très très vieille. Elle est en pleine campagne. Ouais. Elle a au moins. On déménage d'ici parce qu'en fait, c'est hyper. Ouais, c'est hyper bizarre. Il y a plein de trucs bizarres qui se passent ici. Donc on déménage. Ouais. La maison, elle a 200 ans. Et 250. Ouais, enfin, elle a plus de 200 ans, ouais. Quoi. Et là, on va vous montrer un truc de fou furieux. Attends, bouge, Lily Rose. Ce qu'on vient de trouver. Bon, là, il y a nos affaires. Hein. Voilà, c'est à manger. Regardez. Ça n'a pas 200 ans. Et ici, avant, il y avait un meuble qui datait d'il y a au moins 100 ans, quoi. Et là, et on regardez, a trouvé un trou avec ça, une espèce de... Depuis qu'on habite ici, ce on n'a jamais remarqué ça. Ce meuble, on l'avait jamais bougé. Oui, parce qu'en fait, quand on a eu la maison, bah, il était déjà là. Ouais, il était déjà là et le meuble, bon là, il est parti à la poubelle parce que dès qu'on l'a un peu enlevé, il est parti... Ouais, il s'est cassé. Il s'est cassé parce qu'un meuble de 200 ans, ouais. Voilà, il a pourri, etc. Et regardez ce qu'on a trouvé. C'est un truc de dingue, encore une fois, je le répète. Une boîte, alors ça se voit qu'elle est ultra ancienne. Vas-y, va sur l'escalier. Il y a plein de poussières. Et on voulait l'ouvrir avec vous. Oui. Vas-y, attends, reste là. Reste sur l'escalier. Et pourquoi on voulait l'ouvrir avec vous? Parce que. Bah, parce que voilà quoi. Vous savez ce qui se passe dans cette maison? Pour ceux qui suivent la chaîne, on a plein de bruits bizarres. On pense que la maison elle est hantée. Le grenier, on n'y va même plus tellement il s'est passé de choses. On entend plein de bruits. C'est pour ça qu'on fait quasiment jamais des vidéos ici. Et on vient pas non plus hyper souvent. On vient pas non plus hyper souvent, c'est parce que. Ouais, mais en plus on est en train de la déménager cette maison, donc bientôt vous la verrez plus, on sera débarrassé. Ouais. Et regardez. On n'ouvre pas. Bah, je sais pas, qui ouvre? Ah, oh, ça sent le. Ça sent le vieux. Le chamallow grillé. Par contre, c'est. C'est quoi ça? Oh, il y a un papier. Ça va, le papier, on dirait qu'il a bien été conservé. On dirait qu'il a, il a été un peu caramélisé à l'époque. Ouais. Mais il a été plutôt bien conservé. On lit ou pas? Ça se trouve, il y a un truc dedans. Il y a plein de bijoux et tout. Ouais, attends, ça, on dirait que c'est en pierre. Ouais. Attends, là les amis, je sais pas si vous allez voir, mais maintenant on fait des trucs comme ça en plastique à notre époque. Il y a plein de boutons. Oh, il y a des vieux boutons de l'époque et tout. Oh, c'est cool. Vas-y, attends, regarde ce qu'il y a sur le papier. Ok, ok. Là les amis, on est peut-être en train de résoudre une énigme d'il y a 200 ans quand ça a été placé derrière le meuble. Vas-y, attends, viens, on va dans le couloir. Okay. Parce que j'ai pas envie de traîner. C'est comme la cave, c'est comme le grenier. Ouais. Là, la cave elle est petite, mais. Non, il y a des trucs de fou. Vas-y, vas-y. J'ai pas envie de réveiller quelqu'un. Vas-y, va dans le salon. Oh, punaise, les amis, je suis trop stressé par contre. Vas-y, moi aussi. Allez, vas-y. Attends. Attends, il y a des trucs écrits. Hein? On ne voit pas avec la. C'est quoi ça? Elma. Elma. 1847. 1847. Attends, attends. Il est vraiment écrit cette date. On dirait du vieux crayon de bois. Mais oui, attends, il est marqué quoi? Il est marqué. Vas-y. Si vous, trouvez cette. Quoi boîte, cette boîte? Prenez garde. Ça se voit que c'est une écriture ancienne. Ouais. Prenez garde, elle contient un collier de beauté éternelle. Quiconque le porte deviendra jeune et beau pour l'éternité. Non, 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 c'est à moi de le porter. Non, s'il te plaît. Non, non, Lily Rose, non, non, Lily Rose, donne-le. Non, non, mais attends, mais ça tombe, c'est faux. Ça tombe, c'est un prank de l'époque. Ça tombe à l'époque, il se faisait déjà des pranks. Attends, si vous trouvez cette boîte, prenez garde, elle contient un collier de beauté éternelle. Quiconque le porte deviendra jeune et beau. Non, tu l'as porté. T'es sérieuse? Ça me va bien. Non, mais Lily Rose, on n'aurait pas dû le porter. Non, non, mais Lily Rose, non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ton comportement, il a changé là. Elma. Non, mais Lily. Mais j'allais lui dire, Lily Rose, j'allais te dire de. Lily Rose, t'es sérieuse? Elle est repartie à la cave. Non mais j'allais justement lui dire les amis de pas le porter. Parce qu'on sait pas ce qui se passe avec tout ce qui se passe dans la maison de bizarre. Quand on trouve une boîte comme ça, moi le collier c'est... Oh Elma. De quoi Elma? Je l'ai vue. Oh. Non mais elle devient totalement folle. De quoi Elma? Y a pas de Elma là. Elma sur la feuille. Mais ça tombe, c'est un prank de l'époque. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Bon, les amis, j'essaie de raisonner Lily Rose. On se retrouve tout de suite. Ça se passe pas bien honnêtement. Lily Rose elle est dans la salle de bain. Chaque fois que j'essaie de rentrer, elle me râle dessus. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Bon Lily Rose. Ouais. De quoi? Non. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais Lily Rose, pourquoi t'as un masque et des lunettes de soleil? T'inquiète. Non mais qu'est-ce qui s'est passé avec le collier d'éternité là où je sais pas quoi? Oh là là. Non mais c'est une blague. Eh oh. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a rendu horrible. Comment ça il t'a rendu? J'ai plein de boutons maintenant. À cause du collier? Mais oui. Mais enlève-le. Mais j'arrive pas, c'est bloqué. N'importe quoi, je suis sûr que c'est pas bloqué. Le truc il est même pas serré du tout. Ça, c'est comme les colliers
d'il y a 200 ans, c'est un crochet. C'est pas comme maintenant avec des belles fermetures et tout, enlève-le. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, les amis, voilà. Vas-y, et va te voir dans la glace. Bon, les amis, je vais te suivre. Bon, je vais pas vous montrer si elle a plein de boutons ou ça, je vais quand même la respecter. Je vais pas vous montrer son visage bizarre, là. Vas-y, montre-moi juste dans le milieu. Mais oui, mais regarde. Vas-y, remets-le. Remets tout. Non, mais c'est une blague. Non, mais comment t'as pu devenir comme ça en 2 minutes, là? Je sais pas, c'est à cause du collier d'Elma. Mais pourquoi tu l'as porté en même temps? C'était sûr que c'était une malédiction ou un truc comme ça. Mais oui, même mon front là. Non mais ton front ça va, il est plus. C'est comme d'hab en fait. Ton front il est comme d'habitude. Non mais tu as pas gardé ça à vie. Mais où bah tu veux que je fasse comment? Mais j'en sais rien, va fouiller dans la boîte pour voir s'il n'y a pas d'autres informations pour faire partir le sort, j'en sais rien moi. Oh, trop bizarre. Y'a rien? Non, y'a rien d'autre, y'a que des boutons. D'ailleurs, c'est bizarre, il y a des boutons. Ouais, non, mais franchement, il y a rien. Mais dans Coralie. Ouais, c'est ça. Non, mais attends. Bon, ce truc-là, en tout cas, on le porte plus parce qu'apparemment, il donne des boutons. Alors peut-être que c'est parce que dessus, il y a un produit de l'époque. Ouais. Je vais tout remballer. Hop, voilà. Et il faut qu'on trouve une solution. Ah ouais. Attends, on va essayer un truc. Je vais fouiller. Attends. Je vais fouiller. Non, mais il y a vraiment rien pour défaire le sort. J'en sais rien. Il faut peut-être se débarrasser du collier. Bon, vas-y, Lirose. Lirose, viens. Tu sais ce qu'on va faire? On se débarrasse du collier. T'es où? Lirose. Non, mais arrête de te cacher. J'ai dit qu'on allait résoudre la malédiction. Mais oui, attends. Mais... Tire la chasse d'eau. Mets le collier dans les toilettes. Tire la chasse d'eau. On s'en débarrasse et après, t'enlèves tes lunettes et tout. Vas-y. Vas-y. C'est bon. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, surtout chez vous, ne mettez rien dans les toilettes, hors le papier toilette, ouais. Est-ce que vous savez, parce que ça peut ne pas être bon. Mais là franchement, mais tu l'as mise là. Mais vas-y, mets-le vraiment, la malédiction elle va t'es pas sûr partir. Mais allez. Mais de toute façon, c'est la seule solution qu'on a pour s'en débarrasser, ouais. On va pas creuser un trou de 5 mètres pour... voilà. Allez, vas-y, sors. Bon, allez, maintenant enlève ça pour voir si c'est parti. Bon, les yeux, ça a l'air normal. Ah, non, ça va, c'est normal. J'ai eu peur. Non, mais montre-moi. Montre, à la caméra. Allez, montre. Ah, mais c'est bon. Oh, les amis, on a réussi à se débarrasser de la malédiction. Donc, clairement, cette maison, on va vite la quitter. On va pas enlever d'autres meubles parce qu'il y a d'autres meubles qui datent d'il y a 200 ans. Au grenier, etc. Si on trouve des boîtes derrière, on va pas les utiliser, croyez-nous. En attendant, les amis... Ah, ça y est, elle mange. J'ai une petite orange. C'est quoi? Les amis, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche, à cliquer sur une vidéo qui apparaît juste là ou une de nos vidéos qui apparaît juste là. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, bye. Allez. Oh, le collier, ce collier quand même.